Et puis il va falloir prendre en compte aussi les endroits où la piste a été un petit peu réparée. On le voit ici dans la ligne de départ. Et c'est déjà parti. C'est parti. Ouais, Christophe Ferrier, super départ. Il y a l'air lâché qui va conserver sa place. Et attention à l'attaque de Julien Blouwer. Oui, Louis Rousset aussi qui est bien parti. Ouais, Julien Blouwer qui s'est mis tout de suite en bagarre avec Vincent Beltoise. Vincent Beltoise qui a réussi à garder sa place. Et Calou Capéo qui déjà a récupéré des places. Et voilà, ça va, c'est l'embouteillage. Oh, Richard Bozo, Sacha Prost et Clémentine Lost. Et Calou Capéo a fait l'extérieur. Oh, il est passé devant. Alors attention, parce que là, il y a du monde. Ouais. Il y a Guillaume Play qui est arrêté. Il voulait partir déjà. Il y a Ferrier qui est en travers. Il va arriver. Ensuite, on a Yann Herlaché. Il faut passer à l'extérieur. Ça passe à l'extérieur, maintenant ils l'ont vu, tout le monde va passer. Et bien voilà, premier incident de course avec Clémentine Lost, avec Sacha Frost et également avec Gérard Bozon, alors que devant Cavalier seul et Christophe Ferrier, attention deuxième, avec du coup Vincent Beltoise qui a récupéré la deuxième place. Julien Andoer est un peu en difficulté, Andoer attaqué par peut-être Louis Rousset, Thomas Laurent. Alors là on a Christophe Ferrier qui arrive et qui va éviter la voiture de Calou Capéo. Voilà, c'est fait. Ensuite Vincent Beltoise qui l'évite aussi. Ouais, attention derrière, Julien Andoer qui est masqué par la voiture de Yann Herlaché, mais c'est passé. Il y a Guillaume Play extérieur, il y a Capéo intérieur. Clémentine Lost qui discute là-bas avec Sacha Prost. Et pendant ce temps-là, Christophe Ferrier qui enchaîne les records du Tour. Et mesdames, mademoiselles, messieurs, vous assistez ce soir à la première course Gymkhana du Trophée Ambros. Attention derrière, regardez, Andoer, la rouge, qui est en train d'être attaquée. Et juste derrière. Le Rousset est déchaîné, Philippe, hein, ce soir. Ouais, déchaîné, alors que Vincent Beltoise a bien récupéré cette deuxième place. Bon, on ne peut pas doubler, mais après peut-être. Ah, il y a deux virages, il y a drapeau jaune. Donc ça va se passer. Côté gauche de ce tracé, attention. Ah, faut bien éviter tous les copains là. Hein. Pour l'instant, Christophe Ferrier, toujours disant largement installé en tête. Il fait encore une fois un cavalier seul, le pilote d'Isola 2000. Et Andoer. Allez, Vincent Beltoise. Ah, il est bon, Herlaché bien là. Herlaché attaqué par Andoer avec lui. Derrière, attention à Thomas Laurent qui fait l'extérieur. Oui, il y a la bonne voie. Guillaume Play. J'ai glissé, chef, la voiture est égarée, j'ai oublié qu'elle était là. Ouais, et pas vu le drapeau jaune, voilà, et là ça fait un petit choc, n'est-ce pas? Attention, derrière avec le Gervaison qui arrive. Bah, dernier tour, ça a été chaud. Ah ben dis donc, il y a du petit bois là-bas, hein, du côté de la sortie. Allez, attention, Christophe Ferrier qui va dominer cette finale avec 6 secondes d'avance. Terrible, Christophe Ferrier, Vincent Beltoise, alors que derrière, avec Andoer, avec Rousset, avec Herlaché, c'est la bagarre, il y a Herlaché, oui, alors que c'est fini pour Christophe Ferrier. Exactement, Christophe Ferrier qui s'impose, on va retrouver tout de suite le pilote Steph, le voilà. Et il y a Herlaché. Pour Herlaché. Ouf, évident, et c'était juste, regarde, Louis Rousset qui était juste, oh là, ça va pas passer, là, c'est bon. Oh, ben dites donc. Bon. Alors, il y a eu un peu de spectacle, ah oui. Il y a eu un peu de dégâts, mais bon, c'est alors, voilà, ouais, mais maintenant, ils vont sortir le constat amiable de la boîte à gants, et puis ils vont réussir à faire les papiers là-bas, voilà. Ah bah, on va ralentir, sur la fin. On confirme ce podium, et vous pouvez les applaudir. Ça a été extrêmement animé avec Christophe Ferrier sur la métropole Nice-Côte d'Azur, qui non seulement remporte cette année un nouveau titre, mais va gagner cette grande finale du Trophée Ambros, deuxième. Ce sera bien Vincent Beltoise sur la step. Et le troisième, ce sera bien Yann Herlaché, invité de ce week-end sur la DUPC. Monsieur Nicolas Deschaux, qui va évidemment remercier tous ses pilotes et cette Enedis pour l'électrique qui est maintenant entrée dans les mœurs. Président, un petit mot, on est au centre du Stade de France, on est au centre de l'automobile, on est dans l'Andros. On est surtout au centre du sport automobile. Moi, je voudrais saluer très sincèrement la performance de Max et son équipe qui nous ont fait vibrer. La performance des pilotes, incroyable. Et voilà, le sport automobile, thermique ou électrique, a toujours un très grand avenir.